Ce résumé vous est présenté par Heineken et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Forsberg qui va chercher la profondeur directement, c'est intéressant avec Nkunku, il est rapide et il peut frapper de la frappe et premier arrêt de Thibaut Courtois. Extrêmement important évidemment pour se mettre en confiance. Bien vu de la part de Rodrigo cet appel, oh, cette fin de nouveau, la frappe de Rodrigo, première opportunité pour lui. C'est moins bon du gauche. Valverde, petite régalade de nouveau sur le flanc et là, il faut se parler, Gulakshi qui intervient bien. Oh, cette petite louche par contre, elle est parfaite vers Nkunku. Arrête Thibaut Courtois. Oui, eh ben non, ce sera raté finalement. En tout cas, selon le corps arbitral italien, il râle encore Christopher Nkunku et Courtois s'est fait mal au genou dans cette sortie difficile. Attaque défense pour le moment. Werner, petit enroulé dans les gants de Courtois. Petit ballon d'échauffement. Ça, c'est une passe en un temps pour justement accélérer le rythme. Werner qui essaie de forcer. Forsberg qui rejoue bien dans la foulée de Timo Werner. Le centre et Nkunku, il y manque quoi ? Une pointure aux Français pour ouvrir le score. Le ballon est déjà récupéré, il y a un dédoublement possible, on joue avec Rodrigo, il va frapper, non, Modric, il va frapper, non, oui, il enroule, c'est à côté, c'est son pied gauche, entre guillemets, c'est pas le meilleur. Et là, tout Leipzig est désorganisé. Valverde, il avait directement compris ça. Il y a un appel de Rodrigo, de Vinicius. On va chercher Rodrigo. Le petit ballon, Valverde, ça passe. C'est pour Vinicius. Oh, on gaspille. Énorme gaspillage du Real. C'est une occasion 5 étoiles qu'ils ont manqué là. Petit ballon en retrait peut-être. Oh, quelle sortie impressionnant là de la part de Tchouaméni. Et là, la profondeur, elle peut faire très très mal. Il y a Rodrigo, il y a Vinicius qui arrive aussi. Regardez ça, la flèche, elle vient de passer là derrière Rodrigo. Mais la passe est mal ajustée. Ah là 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 là. De nouveau un petit peu de déchet en zone de finition dans la construction de ses actions. Il va pas se laisser avoir comme ça, hein, Benjamin Heinrich. Quoique, gardez-moi ça, Vinicius, il a encore l'influx. Et la lucidité, ça aussi c'est bien vu. Valverde, il peut frapper peut-être. Il se remet pied gauche. Ça termine au fond. L'homme en forme, évidemment, du Real Madrid. Et quelle joie il a, hein. Federico Valverde. C'est un soulagement, mais gigantesque pour l'Uruguayen. Que ce but-là, qui arrive très tard, hein, finalement. Ballon en profondeur, c'est bien vu. Un petit peu d'espace. Il a rarement été dans cette position là aussi. La frappe d'Nkunku maintenant c'est contré. Ce sera un nouveau coup de coin. Rose pour ce coup franc à terre. C'est intéressant. Plat du pied. Marco Asensio. Quelle régalade, s'il vous plaît. Alors on sait hein, qu'il est fort. On le sait qu'il a un pied gauche absolument magnifique. À chaque fois qu'il revient dans l'équipe, il marque.
victoire des Madrilènes, 2-0 qui font carton plein et plus que plein. Aucun but encaissé, 5 buts marqués, 6 points sur 6 en Ligue des Champions, 8e victoire de rang en 8 matchs. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.